Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer des photos. Des photos qui m'ont particulièrement touché. L'arrivée des Européens en Amérique a été catastrophique pour les peuples amérindiens, qui, en raison des guerres, des massacres et des maladies, ont perdu la quasi-totalité de leur population. Mais au début du XXe siècle, au tout début du XXe siècle, un photographe et ethnologue du nom de Curtis, va se lancer dans une véritable course contre la montre pour aller recenser et visiter, en l'espace d'une vingtaine d'années, plus de 80 tribus. Le but est d'immortaliser, de garder trace de leur vie, de leurs rites et de leur visage, parce que la population s'est effondrée. Au XVIIIe siècle, on pouvait encore compter près d'1 million d'Amérindiens. Mais lorsque Curtis va lancer son projet, ils sont à peine 40 000. Et Curtis va prendre de très nombreuses photos, mais également des enregistrements sonores et des traces écrites. Et ces photos, je vais vous en montrer certaines. On y voit de la gravité et de la dignité dans les visages. Et leurs regards, ils savent. Ils savent que leur histoire leur a échappé, qu'elle se termine. On les a pris en photo pour les voir, mais ce sont eux qui nous regardent.